couvre au niveau des coudes, je pose, d'accord? Donc écarté, tout bêtement, je rapide, donc je réitère, au-dessus du sternum, sous la maxillaire inférieure, au niveau des oreilles, au niveau éventuellement des pommes devant des joues, et sous le nez. Sachant que le plus efficace, c'est sous le nez et dans le ciel. Et je fais lâcher, double claque, j'attrape au niveau du menton, tout doucement, je fais suivre, je mets mon premier contrôle, j'attrape son bon passage. Boum et puis boum. N'aie pas peur, mais t'es beau à l'aise. Mais sur un couteau qui est le beau, moi qui fais un mètre 10, à part ce genre de choses-là, je crois les faire. D'accord? Ouais. Donc, ici, bam, bam, pareil. Deux fois, j'ai fait descendre le sac. Troisième fois, au moment où il va pousser, je le laisse passer devant. Donc je le laisse passer devant. Une fois qu'il est passé devant, je vois mon sac devant. J'attrape au niveau des lanières. Et là, l'idée, c'est ici, je tire, comme si j'avais un cheval. Donc, si je retire, je serre vers l'intérieur et je mets au sol. D'accord? Je laisse mon genou derrière et ici, je vais. Pourquoi je me mets dans cette position? Parce que si je suis... Je descends. Je fais... partir le couteau, frapper, et là regardez, c'est le vide que je vais créer qui va lancer la projection. Ici, boum. Et là je garde. Bam. T'as raté le couteau. Ouais, mais ce que t'as pas dit, c'est comment ça, le sac de l'air. Troisième. Excellent.